Parmi les fonctions de référence, à mon avis, la plus intéressante, c'est la fonction inverse. Et pourquoi? Ben, constatez qu'elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Elle n'est pas définie en 0. Bien sûr, si j'écris f de x égale 1 sur x, comme la division par 0 n'a pas de sens, on ne peut pas calculer f de 0. F de 0 n'existe pas. Et c'est comme ça. Bon, on va aider à résoudre des différentes comparaisons entre des nombres en sachant ce sens de variation de la fonction inverse. Si je vous dis comparer 1 sur 2,05 avec 1 sur 1,95. Et pour vous embêter encore, je mets au moins devant. Qui est plus grand? Alors, comment s'en sortir? On examine ces deux nombres. Ces deux nombres négatifs. Ça veut dire que tout se passe pour x négatif. Pour x négatif, qu'est-ce qu'on a? Regardez, je prends deux nombres, a et b. A et b, tous les deux négatifs. 1 sur a. Et ça, c'est 1 sur b. Qui est plus grand? 1 sur a, 1 sur b. Quel est le segment plus grand? Celui-là. Mais celui-là, il est négatif. Donc ici, 1 sur a est plus grand que 1 sur b. 1 sur a, c'est cette longueur. 1 sur b, c'est cette longueur. Et bien sûr, 1 sur a, c'est toute longueur négative, mais plus petite. Hein? Constatez, d'accord? Ah tiens, si vous pour voir plus exactement si A c'est moins 2 et B c'est moins 1. Combien ça fait l'inverse de moins 2? Ça fait moins 1 demi. Donc moins 1 demi. Cette longueur. Et là, l'inverse, ça fait moins 1. Moins 1 demi, c'est plus grand que moins 1. C'est ça la difficulté à propos des inverses pour les nombres négatifs. Pour les positifs, ça va être plus facile. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Mais je vous conseille la chose suivante. Vous inversez et vous constatez qu'est-ce qui se passe. J'inverse. L'inverse, c'est moins 2,05. Et l'inverse, c'est moins 1,95. Qu'est-ce qui est plus grand? Ou qu'est-ce qui est plus petit? Plus petit, c'est ce nombre. Moins 2,05, plus petit que moins 1,495. Donc, automatiquement, je vais inverser le signe ici. Automatiquement. Que c'est bien clair. A inférieur à B dans cet intervalle, 1 sur A est plus grand à 1 sur B. Je répète, tous les deux, quand A et B sont plus petits que 0. Et bien sûr, ça va aller pareil quand on va parler de A et B positifs. Pour un autre, 1 sur 5 plus racine de 2, 1 sur 5 moins racine de 2. Première constatation, est-ce que tous les deux nombres sont positifs ou négatifs? 5 et moins racine de 2, 5 et 2 virgule et quelques, moins 1 et quelques, c'est positif. Là, je suis rassuré, tout ici, c'est positif. Qu'est-ce que je fais? J'inverse. L'inverse de ça, c'est 5 plus racine de 2. L'inverse de ça, c'est 5 moins racine de 2. Qui est plus grand que qui? Ça, c'est plus grand que ça. Conclusion, ça, c'est inférieur à ça. Regardez, la même manip qu'ici. Le sens a changé. Cette chose était vraie aussi si A et B, tous les deux sont positifs. Si tous les deux sont positifs, c'est la même chose. Regardez ici. A et B. 1 sur A est plus petit que B. Mais 1 sur A est plus grand que 1 sur B. Cette longueur est plus grande que celle-ci. C'est ça, la fonction inverse. Elle inverse l'ordre. C'est pour ça le sens de décroissance de la fonction inverse. Allez, un autre exemple. 1 tiers et 0,5. Bon, la première chose, c'est ou bien on inverse les deux. Et on voit ce qui se passe. Ou bien d'abord, on transforme ça en fraction, parce que c'est joli avoir comme fraction 1 sur
Donc ça équivaut, ça je ne sais pas, un tiers, 5 dixièmes, autrement dit, un demi. J'inverse 3 et 2. Qui est plus grand, 3 ou 2? Ben 3. 3 est plus grand que 2. Donc l'inverse, un tiers est plus petit qu'un demi. Au fait, je le savais hein, depuis la sixième, hein, mais on peut utiliser ça avec la fonction inverse. Un tiers est plus petit qu'un demi. Un tiers est plus petit que 0,5. On va essayer de comparer sans utiliser la calculatrice. 1 sur 2 au carré et 1 sur 3 au carré. D'abord, je compare les inverses, 2 au carré et 3 au carré. Et bien sûr, je compare 2 et 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? 2 est inférieur à 3, donc 2 au carré est inférieur à 3 au carré. J'ai utilisé la croissance de la fonction carré. Donc, maintenant l'inverse, 1 sur 2 au carré est plus grand que 1 sur 3 au carré. J'ai utilisé le fait que la fonction inverse est décroissante. Constatez, cet exercice utilise les variations de deux fonctions, la fonction carré et la fonction inverse. Moins 1 sur 41 et moins 1 sur 92. Qu'est-ce que je peux faire? Sans calculer, bien sûr. Je peux inverser, voir d'abord moins 41 et moins 92. Qui est plus grand que qui? Moins 41 ou moins 92? Moins 41 est plus grand que moins 92. Tout le monde est d'accord. Donc si j'inverse, ben j'inverse aussi le signe. Voilà la clé à cause du fait que, je répète, la fonction inverse est strictement décroissante. Bien sûr, sur moins l'infini 0. Les deux nombres ici se trouvent sur l'intervalle moins l'infini 0. 1 sur racine de 3 et 1 sur racine de 2. J'inverse, je compare racine de 3 et racine de 2, qui est plus grand. Évidemment que racine de 3 est plus grand que racine de 2, parce que 3 est plus grand que 2. Voilà ce que j'ai ici. Si j'ai 3 plus grand que 2, tout le monde est d'accord, alors racine de 3 est plus grand que racine de 2, c'est la croissance de la fonction racine carrée. Et alors, j'inverse 1 sur racine de 3 est plus petit que 1 sur racine de 2. Le fait que la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini. Constatez qu'ici, l'intervalle, c'est 0 plus l'infini. Et au dernier pour la route, moins 1 sur 8 et 1 tiers. Attention, regardez ici deux nombres positifs, deux nombres négatifs, un négatif et un positif. Ben, c'est une blague. Tout nombre négatif est plus petit que tout nombre positif. Et c'est fini, hein. Pas besoin de travailler les inverses, etc., etc., etc.